Bienvenue sur votre chaîne Phone Record. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter la vitesse de votre téléchargement avec l'application VidMeet. Ah oui, comment augmenter la vitesse de votre téléchargement avec l'application VidMeet. Ok, j'espère que vous êtes super câblé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et we gotta go. Une fois l'application VidMeet installée sur votre appareil, vous allez juste rentrer et cliquer là à droite dans le coin et vous verrez cette page. Juste après, vous allez cliquer sur paramètres en haut. Voilà, dans le coin toujours, vous verrez paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous verrez donc cette page qui s'affiche avec plusieurs options. Mais nous allons voir une option avant de voir comment augmenter la vitesse. Donc, d'abord, il y a une manière d'augmenter les tâches de téléchargement, c'est-à-dire vous pouvez télécharger plusieurs vidéos à la fois au même moment. Donc, vous cliquez donc sur tâches de téléchargement. Lorsque vous cliquez sur tâches de téléchargement, vous verrez donc cette page où c'est écrit sélectionner le nombre de tâches de téléchargement. Actuellement, chez moi, c'est sur 2. Donc, je ne peux que télécharger deux vidéos au même moment. Or, j'ai la possibilité de télécharger plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller choisir 6. Donc, je peux télécharger 6 vidéos au même moment. C'est-à-dire que lorsque je lance 10 vidéos à la fois, il y aura 6 qui seront en cours de téléchargement en attendant. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Ensuite, vous cliquez sur option de téléchargement rapide pour augmenter les vitesses. Donc voilà, je suis dans option de téléchargement rapide. Vous voyez un peu dans connexion Wi-Fi et il y a aussi connexion des données. Donc vous voyez, donc voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est connexion Wi-Fi puisque celui des données est déjà à 4 et sa limite c'est à 4. Vous voyez, or celui de Wi-Fi est augmentable, on peut augmenter à 6. Ouais. Donc j'augmente ma connexion, la vitesse à 6. Ce qui signifie que si d'habitude mes téléchargements allaient à 10 mégas par seconde, cette fois-ci ça serait à 20 mégas par seconde. C'est un exemple pour vous dire un peu comment le téléchargement évolue. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Partagez la vidéo à vos amis qui en ont besoin. Donc voilà, informez et abonnez-vous massivement.